easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi et on est exactement à 7 jours de ma compétition. Donc samedi prochain je serai sur scène et c'est donc le premier jour de la Peak Week. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la Peak Week, c'est la semaine qui mène à la compétition et c'est une semaine un peu spéciale parce que c'est vraiment cette semaine là qui va vraiment optimiser notre physique le jour du concours. Alors c'est très important d'être prêt avant cette semaine là bien sûr, parce que si on n'est pas prêt à 7 jours du concours, on ne sera pas prêt sur scène. Cette semaine, c'est pas une semaine magique où on se dit « Ah, je vais perdre toute l'eau et puis j'aurai l'air incroyable ». Non, il faut déjà être prêt. Par contre, tout ce qu'on va faire durant cette semaine, c'est ce qui va vraiment optimiser notre physique et faire en sorte qu'on présente vraiment sous notre meilleur jour le jour du concours. Alors, cette vidéo sera ma Peak Week en entier. Donc, j'ai décidé de vous documenter vraiment chaque jour de ma Peak Week, puisque chaque jour seront différents. Chaque jour on va changer le cardio, chaque jour mes macros vont changer. Je vais faire un check-in chaque matin avec Stephen, mon coach, donc par WhatsApp. Donc chaque matin je vais lui envoyer des photos progrès, je vais lui dire comment je me sens, je vais lui donner mon poids et en fonction de ça il va peut-être changer les macros, parce que là j'ai déjà un protocole pour la Peak Week que j'ai imprimé, je l'ai déjà montré. Donc je sais déjà ce que je dois faire, mais il est possible qu'il me change les macros en fonction de mon physique en fait, au jour le jour. Donc je vais vous dire chaque jour vraiment ce que je fais. Chaque jour je vais vous filmer un physique update pour voir l'évolution au fil de la semaine, parce qu'on va faire une légère recharge glucidique. C'est vraiment très 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 léger, puisque durant toute ma sèche j'ai été très très basse en glucides. Donc on va pas faire une recharge extrême. Le plus que j'aurai c'est 100 grammes de glucides vendredi. Et on va faire une recharge très progressive, c'est-à-dire que chaque jour on va augmenter les glucides de 5 grammes. Je vais vous dire une chose là, c'est que n'appliquez vraiment pas ce que je vous dis durant cette semaine, n'appliquez pas ça pour vous, parce que ça va vraiment dépendre du reste de votre sèche, de comment votre corps réagit, etc. Tout le monde est différent. Certaines personnes vont totalement faire une total depletion, on appelle, c'est-à-dire vider totalement leur stock de glucogène et puis ensuite faire une recharge. Certains vont faire une recharge seulement sur 2 jours, certains sur 4 jours, etc. Certains vont devoir atteindre, je sais pas, 400 grammes de glucides pour être vraiment plein, pour avoir les muscles vraiment full. Moi, bah voilà, on va maximum jusqu'à 100 grammes, peut-être qu'il va augmenter bah voilà, avec les changements qu'il me dira peut-être au fil de la semaine, mais c'est vraiment très modéré. Donc voilà, les glucides c'est une des choses qu'on va un peu jouer, avec lesquelles on va jouer. Le sel va rester très stable, l'eau va rester très stable, mais je vous mettrai vraiment sur l'écran chaque jour les objectifs journaliers en termes de macro, en termes de cardio, parce que le cardio change aussi, ça j'ai oublié de vous dire je crois, il va diminuer, donc au fil de la semaine il diminue. Donc voilà, je me réjouis de voir ça, de voir les changements sur mon corps pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui et samedi, dimanche, je ne m'entraîne pas. Donc c'est des jours off. Par contre, j'ai du cardio. Donc j'ai 25 minutes à faire maintenant et 25 minutes ce soir. Et demain, j'aurai 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Et ensuite, cette semaine, mes entraînements seront... Je ne vais pas suivre le programme qu'il m'a fait, je vais suivre ce qu'il m'a dit. Donc bah, ça, je vous dirai aussi au jour le jour. Mais c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Et une dernière chose, c'est que j'ai pris mes mensurations ce matin. Donc j'avais pris mes mensurations le premier jour de ma sèche, évidemment.
Et j'ai pris mes mensurations ce matin et je vais vous faire une petite comparaison. Donc là, j'ai mon petit carnet. Ça, c'est un journal que je tiens depuis que j'ai commencé la musculation. Donc la première page, je vais juste vous dire, ça c'est drôle en fait. J'ai même des photos. La première page, donc c'était début fitness, mi-juillet 2015. Objectif, entre parenthèses, en deux temps, prise de muscle générale, focus fessier. Et deuxième objectif, définition musculaire, perte de masse grasse et sèche. Donc ça c'est vraiment... Donc c'est drôle, j'avais écrit ça en 2015. Et à l'époque, je faisais 56 kilos. Donc le même poids que maintenant, c'est drôle. le même poids que maintenant, mais j'étais à 1300 calories. Et je n'avais aucun muscle. Donc le look était très différent. Mais enfin voilà. Bref, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Donc là, j'ai mon petit journal que je tiens depuis. Donc depuis que j'ai commencé la musculation. Et je prends des notes dedans. Donc mes mensurations actuelles. Donc, je vais vous les écrire sur l'écran, comme ça vous avez tout. Donc, ma taille fait 64 cm. J'ai donc perdu 8 cm de tour de taille. Mes hanches font 89, donc j'ai perdu aussi 8 cm de hanches. Ma cuisse fait 50 cm. J'ai perdu 7 cm de tour de cuisse. Mon mollet fait 34 cm. J'ai perdu 3 cm de tour de mollet. Ma poitrine fait 90, j'ai perdu 6 cm de tour de poitrine. Mon buste, donc juste sous la poitrine, fait 75, j'ai perdu 4 cm. Et mon bras, flexé, fait 29 cm et j'ai perdu 3 cm de tour de biceps. Donc voilà pour mes mensurations. Donc j'ai vraiment perdu pas mal de centimètres. Hein. Le premier jour de ma sèche, je pesais 64,4 kg et aujourd'hui je pèse 56,1 kg. Enfin, hier je faisais 56, aujourd'hui 56,1. Pour rappel aussi, j'ai passé, donc dans ma dernière vidéo, je vous ai donné les résultats de mon DEXA scan. Donc au début de ma sèche, j'avais 21,7% de masse grasse, j'ai maintenant 10,6% de masse grasse. Donc voilà, une petite comparaison avec le début de ma sèche. sinon, donc là on est samedi, fin de matinée, je vais faire mes 25 minutes de cardio. Ensuite je vais rentrer manger un petit truc et puis je retournerai ce soir faire mes autres 25 minutes de cardio. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Cette semaine je vais pas forcément beaucoup me focaliser sur ce que je mange et vous montrer mes entraînements etc. Ce sera vraiment plutôt voilà le protocole de cette semaine, voilà comment change mon physique etc. Ce sera aussi sur les préparatifs du concours, donc je vais aller me faire les ongles, je vais aller me faire épiler des sourcils. Jeudi soir il y a l'inscription des athlètes qui se fait à Berne, donc je vais aller là-bas avec Luca. Vendredi, il faudra que je prépare tous mes repas pour samedi, il faudra que je prépare toutes mes affaires, donc là je vais vous montrer vraiment tout ça. Du coup je vais pas forcément beaucoup mettre l'accent sur mes repas en soi, ni sur mes entraînements, mais pour vraiment plutôt vous expliquer le processus et comment je m'organise, etc. Alors il est 19h, là je suis en train de retourner à la salle, donc je suis allée faire mon cardio fin de matinée, mes 25 minutes de cardio, là je retourne faire mes autres 25 minutes de cardio. Donc je vous ai rien filmé de la journée aujourd'hui, j'ai pas mal bossé, j'ai notamment édité ma précédente vidéo pendant des heures. Cet après-midi on allait juste aller boire un café avec Luca au soleil parce qu'il faisait super beau. D'ailleurs le temps est magnifique aujourd'hui, il fait pas très très chaud, enfin j'étais en t-shirt quand même, mais il y a un grand soleil et puis j'adore l'atmosphère qu'il y a en fait. C'est une belle journée d'automne en fait et puis j'adore que c'est comme ça. Enfin bref, je vous ai rien filmé aujourd'hui parce que je suis pas au top niveau moral, disons. Alors j'ai pas de raison précise, hein. C'est pas que genre il s'est passé quelque chose. C'est pas que je m'inquiète pour quelque chose non plus, mais je sais pas. J'ai pas mon énergie habituelle et puis voilà, ça va passer, hein, ça arrive à tout le monde, c'est juste un peu, voilà, c'est un jour un peu comme ça, un peu, je suis un peu molle, je suis pas très motivée, j'ai un peu le moral en bas quoi, c'est tout. Du coup quand je suis comme ça, j'ai pas du tout envie de prendre la caméra et de filmer, et puis de toute façon j'avais rien d'intéressant à vous filmer en fait. Donc voilà, donc je voulais quand même juste vous le dire, ben, parce que j'arrive pas à faire semblant, et puis je pense que ça s'est peut-être vu ce matin aussi dans ma vidéo, que j'étais pas aussi... au taquet que d'habitude, donc voilà, bref, c'est pas une raison pour ne pas faire ce que je dois faire, donc là je vais aller faire mon cardio, si j'ai le temps je fais juste un tout petit peu 5-10 minutes de posing parce que ma salle ferme à 8h et il est déjà 19h20, donc je vais me dépêcher et puis on verra si je peux juste faire 5 minutes de posing avant que ça ferme, voilà. Alors j'ai exactement 5 minutes pour faire du posing, mais je le fais quand même vite fait. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home,
but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Voilà, là j'ai pile 30 minutes pour faire mon cardio. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I. Honnêtement aujourd'hui j'ai vraiment pas grand chose à vous filmer. Ce matin j'ai beaucoup bossé, cet après-midi j'ai encore beaucoup bossé. Là je fais juste une pause pour aller faire mes 20 minutes de cardio de ce matin. Enfin bon là il est midi mais voilà. Et j'irai faire encore mon cardio, 20 minutes de cardio ce soir. Là à la salle je vais aussi faire un petit peu du stretching. Mon dos recommence de me faire mal où j'avais la contracture. Donc c'est un peu la merde, donc je vais essayer de détendre ça. Luca m'a massé hier soir aussi. Voilà, donc je vais faire un petit peu du stretching, mes 20 minutes de cardio. Cet après-midi je travaille et puis voilà, j'ai absolument rien d'intéressant quoi. Par contre ce matin j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 55,7 kg. Donc je suis officiellement passée sous la barre des 56 kg. Honnêtement je pensais pas que j'allais atteindre ce poids là, mais voilà. donc je suis assez flat, mais mes muscles sont assez... sont vides en fait, sont assez plats. Donc à partir de demain, on va commencer la recharge gentiment. Alors je me suis fait mon dîner, donc absolument comme tous les soirs quasiment, sauf que j'ai juste rajouté des épinards pour une fois. Donc il y a des haricots, des champignons, des épinards et de l'huile de coco dessus. Ça c'est du poulet et puis de l'avocat. Et je vais encore juste rajouter un tout petit peu de sauce NU3 barbecue. Et je mange vraiment la même chose parce que ces temps, c'est ce que je mangeais presque tous les soirs. Et là je continue vraiment cette semaine parce que lors de la picouille on va éviter d'introduire des aliments qu'on n'avait pas forcément l'habitude de manger. Donc j'essaye de garder vraiment stable, de manger les aliments que j'ai l'habitude de manger et que j'ai mangé durant toute ma préparation. You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real. But I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes and let go. Oh, oh. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain, get to the reason why it's not us. You know there's no one else than me you trust. You know it's truth deep inside. Won't you let it go? Alors on est lundi matin, il est 8h30, je viens de faire les photos progrès pour mon coach et sinon je vais aller à la salle, je vais aller faire mon cardio à jeun ce matin simplement parce que j'ai envie que ce soit fait en fait. J'ai pas envie de déjeuner, d'attendre une ou deux heures avant d'aller faire mon cardio, etc. J'ai vraiment envie que ce soit fait parce que j'ai 40 minutes de cardio et plus tard dans la journée je dois aller faire les jambes. Donc j'ai pas envie d'aller trop tard. Donc voilà, je vais déjeuner après. Comme je vous dis toujours, le cardio, que ce soit à jeun ou pas, c'est totalement égal, ça ne change rien. Faites ce qui vous convient le mieux, en fonction de votre emploi du temps et de vos préférences. I'm standing on a cliff side while you tumble way below the waves. Undercurrent pulls you in. I try to guide you out to go.
Alors, je reviens juste du cardio et j'ai oublié de vous dire avant. Donc, à partir d'aujourd'hui, on commence la recharge. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je vais augmenter les glucides de 5 grammes. Donc, aujourd'hui, au lieu de 70, j'ai 75 grammes de glucides. Et puis, on va augmenter au fil de la semaine. Et c'est aussi à partir d'aujourd'hui que je fais les check-ins chaque matin avec mon coach sur WhatsApp. Chaque matin, je lui envoie mes photos, je lui envoie mon poids. On regarde chaque jour si on change quelque chose ou pas, ce qui est prévu. Sinon, après mon cardio, donc j'ai fait 40 minutes de marche inclinée. Ah oui, avant ça, j'ai aussi fait un petit peu du posing. Honnêtement, ça allait pas trop, je sais pas, je me sens un peu droite, un peu rigide, je sais pas, j'étais pas très à l'aise, enfin bref, c'est pas très grave, je pense que j'étais pas très réveillée. Et après mon cardio, je suis allée en course. J'ai acheté juste 2-3 trucs, je vais vous montrer ce que j'ai pris, puisque je crois que vous aimez bien quand je vous montre ce que je prends. Et ensuite, le programme de la journée, donc je vais travailler. Donc hier, j'ai fait pas mal d'avance, mais là, j'ai quand même pas mal de check-in clients à faire. Il faut aussi que j'avance par rapport au projet, que je fasse des téléphones. Et ensuite, je retournerai à la salle, je pense en fin d'après-midi, pour faire les jambes. Alors, j'ai pris un peu comme d'habitude, hein. Donc des poivrons, de la courge, des haricots verts, je les prends surgelés parce que c'est plus simple, des champignons, un avocat, de la choucroute et des fenouilles. Ici, protéines, j'ai de la viande hachée allégée, 25% de masse grasse, de la viande séchée, du poulet et puis mes puddings protéinés. Et là, j'ai encore du coca zéro et du café. Puis sinon, il est 11h et je n'ai pas encore mangé, donc là, je vais me préparer à manger. Donc là, je suis en train de me faire à manger. Donc là, j'ai déjà préparé du poivron et du concombre sur lequel j'ai mis de la mayonnaise fit sauce de chez NU3 qui ne contient donc aucune calorie quasiment. Ensuite, je vais me faire 2 œufs brouillés que je vais manger avec de la viande séchée. Et puis sur les œufs, je vais encore juste mettre la sauce NU3, mais cette fois barbecue. Et en dessert, je vais encore manger juste un skyr noix de coco, les meilleurs. Et dessus, je vais mettre un petit peu du muesli low carb de chez NU3. Noix de coco, c'est mon préféré, il est vraiment super bon. Et les macros sont incroyables, je vous le dis à chaque fois, mais il y a 30 g de lipides, 7 g de glucides et 36 g de protéines. Je vais juste encore vous montrer ce que je prends comme complément alimentaire. Bon, je le disais dans ma dernière vidéo, mais là, comme ça, vous avez vraiment tout dans cette vidéo ici. Donc, le matin, je prends toujours du collagène. Donc là, j'ai des petites ampoules de chez NU3. Sinon, il existe aussi le collagène en poudre. Avec ça, je prends aussi une capsule de coenzyme Q10. Ensuite, matin, midi et soir, je prends une capsule du Cohard, qui est donc un bloqueur de cortisol. Vous êtes plusieurs à me demander à quoi ça sert, donc en gros c'est pour réduire le niveau de cortisol dans le corps. Donc le cortisol c'est l'hormone du stress qui est donc produite par le corps lorsque le corps est stressé. Et le fait que je mange très peu et que je m'entraîne énormément, c'est un très très gros stress pour mon corps. Donc le but de prendre ça c'est de diminuer en fait le stress que subit mon corps, voilà. Ensuite, matin et soir, je prends un complexe de glucosamine, chondroïtine et MSM. Ça, c'est pour les articulations. Midi et soir, je prends des probiotiques. Donc c'est cette marque là, Biocult. Et après mon entraînement, je prends encore juste de la créatine, donc 5 grammes. J'ai reçu des nouvelles de Stephen, donc pas de changement aujourd'hui, on reste sur ce qu'on avait prévu. J'ai l'air un peu flat, mais c'est pas grave parce qu'on est lundi, on augmentera au fur et à mesure de la semaine. Alors, il est 17h15 je crois, là je suis en train d'aller à la salle. Donc aujourd'hui je fais les jambes. Je vais essayer de filmer, mais honnêtement on est lundi soir, je pense que la salle sera bondée quoi. Du coup on verra ce que je peux filmer ou pas. Sinon je suis franchement bien motivée à m'entraîner, ça fait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Donc j'espère que j'ai un bon entraînement honnêtement. En tout cas je suis contente pour une fois. C'est pas que je dois me traîner à la salle comme ça m'arrive depuis 3 semaines. Je crois que ça fait 3 semaines que j'ai plus envie de m'entraîner. Je le fais quand même, mais j'ai juste plus envie. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de m'entraîner, donc je vais en profiter. Thank you.
20h pile, je viens d'arriver chez moi, donc je viens de terminer mon entraînement. Et franchement c'était un super entraînement, ça fait longtemps que j'ai plus eu un aussi bon entraînement. Donc j'ai réussi à vous filmer ça, donc ben voilà, vous l'avez vu, mais bref. J'ai aussi rencontré Gary, qui a remporté un titre de champion du monde dans la fédération WABA. Il fait aussi d'autres compétitions, là il en a une dans un mois d'ailleurs. Et ben, on a un peu discuté, etc. Et du coup il est aussi préparateur. Et je lui ai aussi demandé s'il pouvait juste regarder mon posing, donc on est vite allé dans la salle. Donc je vais vous inclure ça maintenant. Ça, c'est vrai. Je fais le posing à tout le monde. Tu fais normal, je fais normal, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Atme aus, wenn du die Beine an der Seite hältst. Atme ein, wenn du wechselst. C'est bien, t'as pas besoin d'en faire trop, t'as bien avancé, toi. C'est bon, hein? C'est un plaisir. Je ne changerai pas grand chose. Hein. Sois bien comme ça, franchement, non, je ne changerai pas grand chose. Surtout, ça fait un peu de temps. Et tu arrives, tu as déjà une bonne chef, donc tu es déjà sûr de toi. Et puis le travail, il est en avance, tu ne dois pas forcer. Avant, tu es arrivé, tu as fait ça, tu as à peine tiré, tu as fait les triceps. Et après, tu t'es posé, tu as déjà fait pour ça. Ouais. Parce qu'elles doivent forcer. Hein, c'est là. Ça, déjà, c'est un avantage. C'est ça que je te dis. Ouais, c'est génial. Franchement, moi je me trompe jamais, hein. C'est un ou deux là, mais il faut que ça pique, hein, pour qu'elle soit première devant toi. Il faut vraiment que tu ailles. Je te dis pas ça pour te faire plaisir, hein. Ouais. Je suis vraiment un homme de merde. Hein. En général, je dis rarement des concours, mais hein. Ok. Continue comme, franchement, ouais, tu changes rien, tu passes pas la tête, tu vas sans prétention, tu vas comme ouais. Ça. Peut-être un peu histoire de moi, que ça fasse un petit peu moins cet effet de je vais chercher moi pour essayer de tirer le truc, hein. J'ai une contracture au bas du dos. Un peu, pas mal. C'est bien pour l'entraîner là, non, moi je dis, fais un truc comme ça, franchement, rien n'a changé, j'ai déjà fait des pauses il y a un million de fois, si elle posait tout comme ça, c'est quoi? Le dos il est bien, quoi. Putain, il se dit bien, tout ce qui est dans le dos, là c'est joli, quoi. Continue comme ça, je peux faire tout. Tiens, fais-moi une photo. Merci. C'est qui t'a pris en photo? Quoi? Tu te fous de ma gueule, tu vois? Elle est comme ça? Non, non. Donc voilà, c'est sympa, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui sont un peu dans le milieu, surtout en Suisse où il n'y en a pas forcément énormément. Donc voilà, moi je vais aller manger, je vais pas vous montrer ce que je mange parce que c'est vraiment comme d'hab. Et puis on se voit demain, je me réjouis du check-in avec Stephen pour voir ce qu'il dit. Alors là je vais aller à la douche et je vais me faire un gommage. Donc depuis samedi je commence déjà de préparer ma peau pour le tan. Donc samedi je me suis déjà fait un gommage et là je vais m'en refaire un. Donc je vais juste vous montrer une astuce. En fait c'est de faire un gommage avec du marc de café. Donc là je prends simplement mes capsules, j'ai une machine d'espresso. Donc je prends mes capsules, je les ouvre et puis je les vide. Donc là j'ai 7 ou 8 capsules je crois. Et puis je mélange le marc de café avec simplement de l'huile. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Moi je mets de l'huile d'olive tout simplement. Et puis on va juste en mettre un petit peu pour faire une pâte. Enfin une sorte de quelque chose d'un peu humide. Voilà. Et ensuite il suffit simplement de l'appliquer sous la douche sur la peau mouillée et on fait un gommage, ben voilà, comme on ferait n'importe quel gommage. Et franchement c'est un des gommages les plus efficaces qui existent, je trouve. Vraiment on a la peau hyper douce, super bien exfoliée. Je fais ça aujourd'hui, on est lundi, demain je vais m'épiler, je vous expliquerai demain. Et puis je ferai encore un dernier gommage mercredi. Thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me, all the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. I'm
Quoi? Ces cadeaux, c'est pour qui? C'est pour moi, ces cadeaux. C'est gentil, hein? Oui, quand tu les ouvras, après, vous allez voir ce qu'il y a dedans, voir s'il y a des chocolats. Ils sont déjà ouverts, en fait, et puis heureusement que t'as pas vu. Alors, on est mardi après-midi, il est 15h. Là, je suis en train d'aller en ville, je vais aller acheter un ou deux trucs. Donc, j'ai besoin de sel d'Epsom. J'ai trouvé, je sais maintenant où en acheter ici. Donc, pour ceux qui viennent de Bienne, si jamais il y en a chez mamie en vieille ville, c'est un magasin sans emballage. Donc, je vais aller acheter ça, je vais aussi aller acheter... J'ai un dentifrice, enfin bref, on s'en fiche. Ce matin, je suis allée en course aussi. Et ce matin, j'ai pu manger une galette de riz. Et juste avant, j'ai mangé une banane. Donc ça fait du bien. Ça fait longtemps que je pouvais plus trop en mettre parce que j'avais que 60 grammes de glucides par jour. Aujourd'hui, je suis à 80 grammes. Donc j'ai réussi à entrer ça dans mes macros. Donc ça fait du bien. Sinon, ce matin, je me suis aussi épilée. Donc je vais vous parler de ça deux secondes. Donc pour information, bon, c'est quelque chose que vous me demandez assez souvent en général aussi. Je m'épile avec un épilateur électrique. Moi, ça fait bientôt plus de 10 ans que je fais ça, je crois, les jambes et le maillot. Donc je ne ressens vraiment rien du tout. En une demi-heure, c'est fait. J'ai pas besoin d'aller chez l'esthéticienne de payer je sais pas combien. Donc voilà, j'utilise un Silk Epil version 9, je crois, c'est le tout dernier parce que je l'ai racheté il y a pas longtemps. Enfin bref. Donc je me suis épilée jambes et maillot. Et puis, donc là, on est mardi. Je voulais pas m'épiler trop près du concours parce que voilà, ça irrite un peu la peau et je voulais pas qu'avec le tan ça fasse des marques ni rien du tout, donc je m'épile plusieurs jours avant, pas le jour avant. Mais par contre, vendredi, je vais encore raser, donc repasser sur les jambes, repasser le maillot pour vraiment enlever tous les petits poils. Et sinon, on verra si je me rase les bras ou pas. Honnêtement, j'ai pas encore décidé parce que je suis pas très poilie des bras et c'est vrai que je me suis jamais rasé les bras de ma vie. Et ça me fait un peu chier de devoir le faire. Donc Stephen m'a dit que c'était mieux, mais pas obligatoire, donc voilà, j'ai pas encore décidé, on verra si je le fais. Mais quoi qu'il en soit, pour ben voilà, pour la préparation de ma peau, épilation genre maillot quelques jours avant, et puis de nouveau rasage juste le jour avant pour vraiment enlever tous les petits poils qui restent, etc. Voilà. Maintenant, je vais en ville comme je vous ai dit et ensuite je vais directement à la salle. Donc aujourd'hui, j'ai dos biceps. Ça change d'habitude puisque d'habitude, je fais vraiment tout le haut du corps. Donc dos, épaules, biceps, triceps. Là, je split dos biceps et demain, ce sera épaules, triceps. Ça me fera du bien de changer un petit peu. Et puis ensuite, j'ai aussi mes 40 minutes de cardio et je pense aussi faire un peu du posing. Mais vous inquiétez pas, je vais pas le filmer cette fois parce qu'il y a bien trop de posing dans cette vidéo. Donc voilà. Et puis j'ai fait le check-in avec Stephen ce matin, j'ai pas encore de ses nouvelles. Donc dès que je sais s'il y a du changement, ben, je vous le dirai. Alors, je viens de finir mon entraînement, j'ai aussi fait mon cardio et j'ai reçu des nouvelles de Stephen, donc c'est cool parce que j'ai 10 grammes de plus sur ma journée. Il m'a ajouté 10 grammes, je pense que je suis trop flatte en fait. Donc au lieu de 80 grammes, j'ai 90 grammes de glucides aujourd'hui. Donc ce soir, je vais pouvoir rajouter, je pense une galette de riz et un peu de miel ou quelque chose comme ça parce que j'ai plus de lipides ni de protéines. Donc faut vraiment un truc où il n'y a que des glucides dedans. Une galette de riz, ça fait 6 grammes de glucides. Donc 6 et puis encore 4 de miel ou quelque chose du genre. Bref. Et sinon, donc je suis allée en ville, je suis allée m'acheter mon sel d'Epsom et tout ça. Et j'ai aussi pris, bah, comme vous l'avez vu aussi, un cookie au chocolat pour après mes compétitions. Ça sent trop bon. Un cookie double chocolat avec des grosses pépites de chocolat. J'en ai aussi un prix, un pour Luca, un pour le petit. Donc voilà, je me réjouis trop. We're lying there
on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine. Lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay. I think you should stay. I want you to say that it's getting late. Alors, on est mercredi, il est 9h du matin. Là, je suis en train d'aller à la salle pour aller faire mon cardio. Je n'ai pas mangé, j'ai juste bu un café au lait comme vous avez vu. Mais aujourd'hui j'ai une journée assez chargée, donc je vais vraiment faire mon cardio assez rapidement. Il faut que je me dépêche, je suis déjà pas très en avance parce qu'à 10h30 j'ai un call, à 11h15 je vais chez la physio. Entre temps il faut que je me douche, que je déjeune. Cet après-midi je vois une copine, ensuite je vais m'entraîner. Puis j'ai pas mal de boulot aussi, donc voilà, je vais vite aller faire mon cardio maintenant. Ah, je dois passer à la poste maintenant aussi surtout. Voilà, bref. I don't want this to be over. Don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say. Alors il est 17h, là je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui j'ai épaule triceps. Donc ce matin comme je vous ai dit, j'avais eu un call, je suis allée chez la physio. Elle m'a massé le dos pour ma contracture, puis elle a utilisé une machine à onde de choc aussi. Et franchement ça aide énormément. Bon, j'ai toujours un peu mal, mais vraiment ça m'a bien détendu. Sinon cet après-midi bah, j'ai bossé, et puis là j'étais chez une copine un petit coup, et maintenant bah, voilà, je vais aller m'entraîner. Mais j'ai eu des nouvelles de Stephen. Donc, ah oui, comme vous avez vu je pense ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas. Donc c'est fou parce que hier j'ai mangé donc 90 grammes de glucides, et puis ce matin j'ai atteint 55,4 kilos, ce qui est vraiment le poids le plus bas de toute ma préparation. Donc Stephen m'a répondu, donc aujourd'hui, donc hier on devait être à 80 grammes de glucides, il m'a monté à 90, et aujourd'hui on devait être à 85 grammes et il monte à 100 grammes de glucides. Donc encore 10 grammes de plus par rapport à hier. Il m'a dit de manger suffisamment de sodium et de boire suffisamment d'eau avant d'aller m'entraîner, et de lui dire après mon entraînement de quoi j'ai l'air. Pour voir si on augmente encore. Peut-être qu'on devrait encore être un peu plus agressif avec les glucides, donc on verra. Et une dernière chose, je vous avais dit que je devais couper les produits laitiers à partir de mercredi. Et en fait hier je lui ai écrit et je lui ai posé une question, je lui ai demandé si couper les produits laitiers c'était vraiment seulement pour la digestion ou s'il y avait une autre raison. Et il m'a dit que c'était seulement pour la digestion. Et en fait moi je lui ai répondu que je mange pas mal de produits laitiers et ça représente une assez grande partie de mes glucides sur la journée. Donc entre le skyr que je mange le matin, le protein pudding l'après-midi, un peu du lait, etc. Ça se monte environ à 30 grammes de glucides. Et si je coupe maintenant les produits laitiers, j'ai 30 grammes de glucides de moins que je dois trouver ailleurs. Et je peux les trouver dans les légumes, mais ça suffit pas. Donc il faudrait que je réintroduise des fruits et puis plus de galettes de riz ou bien des céréales, etc. Donc par exemple du riz ou des choses comme ça. Mais c'est des choses que je sais que je digère pas. Donc par exemple hier j'ai mangé une banane, je vous ai dit, j'étais toute contente et tout. Et en fait le soir je me sentais pas top niveau digestion, alors que là ça fait vraiment une semaine, ma digestion est au top du top. Et du coup en fait j'ai demandé à mon coach si je pouvais continuer les produits laitiers, comme ça je dois pas augmenter, manger plus de fruits ou manger des céréales, parce que je sais que je les digère pas. Et que là ça fait une semaine, ma digestion est vraiment au top en mangeant des produits laitiers. Donc je lui ai demandé si vraiment je pouvais garder ma diète comme elle est actuellement. Et il m'a dit oui, fais ce que tu sais qui te convient en fait. Parce que là je sais, si je commence à manger plus de bananes, plus de fruits, plus de trucs comme ça, je sais que ma digestion elle va pas être au top. Donc finalement, enfin tout ça pour vous dire que je ne coupe pas les produits laitiers finalement, je vais les garder. Je vais manger vraiment comme je mangeais ces derniers jours parce que ma digestion elle va vraiment super bien. Même si mes carbs augmentent, je vais quand même éviter les bananes. Je pense que c'est quelque chose que finalement je digère pas bien. Donc voilà. My hands are tied and you resonate inside my bones. Don't know why I'm incapable, why you're unstoppable. Some big black clouds, the unavoidable is raining down. I'm fading now into an endless hole. When you come, everything just turns around. Shotgun, you gotta be my someone.
Alors, je reviens de mon entraînement, je me suis fait à manger, donc comme d'habitude, haricots, champignons, épinards, poulet avec de l'huile de coco et puis du sel. Et là, j'ai 200 g de haricots verts, donc d'habitude, j'ai environ 100 g. Là, j'ai augmenté à 200 pour les glucides, puisque j'ai 100 g de glucides à atteindre. Et je vous montre encore ce que je mange après pour pouvoir atteindre mes glucides. Sur les légumes, j'ai encore mis de la sauce barbecue de chez NU3. Là, j'en ai plus. Faut que j'aille voir à la COP s'il y en a demain. Parce que je suis devenue accro à cette sauce en 2 jours, en fait. Et pour dire, j'aime même pas la sauce barbecue à la base. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, voilà. Cette sauce est vraiment très très bonne. Sinon, je me suis fait de la courge. Donc, j'ai grillé sur le grill. Donc là, j'ai 300 g de courge. La courge, si jamais, ça contient quand même pas mal de glucides. Et dessus, je vais juste rajouter 7 g d'huile de coco et puis de la cannelle et du curry. Alors on est mercredi soir et là je vais faire encore mon dernier gommage. Donc là cette fois je vais faire un gommage au sucre. Donc ça c'est du sucre de canne dans lequel je vais rajouter de l'huile de coco que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et puis du miel. Et ça va faire une pâte, la même chose. Et puis je vais l'appliquer sous la douche comme un gommage. Purée, sucre, miel et huile de coco. Ça sent trop bon, ça me donne juste envie de le manger ce truc. To my chin, try to hold my breath in. Don't wanna wake up. Your heart is my violin. Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this. I wanna stay. Wish that I was brave. Alors on est jeudi matin, il est 10h, je me rends compte que je parle toujours dans ma voiture, mais enfin bref. Je suis en train d'aller à la salle, je vais aller faire mon cardio, aujourd'hui j'ai seulement 30 minutes à faire donc ça va passer vite. Ensuite je vais directement me faire épiler les sourcils, ça fait 2 semaines que j'attends que ça. Et cet après-midi je vais aller m'entraîner, donc aujourd'hui j'ai un circuit full body de 40 minutes, donc j'ai demandé à Stephen exactement ce que c'était, si c'était juste un léger pump, transpirer un petit peu, ou enfin je sais pas exactement. Donc j'ai demandé, il va me répondre je pense vers 3h, parce que en fait on a 6 heures de décalage et il me répond toujours quand il commence de travailler à 9h, donc j'ai toujours une réponse de sa part à 15h. Locked up in your dome, you know I fight for you. But do I, every time you call my name. Alors il est bientôt 16h, là je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. J'ai un circuit training à faire, un full body circuit de 40 minutes, donc je vais essayer de vous filmer ça. Honnêtement je fais jamais ça, donc on verra ce que je fais, j'ai pas encore décidé. Faut juste que j'aille en course encore avant, et puis comme je vous ai dit ce matin je suis allée faire mes sourcils. Je me sens beaucoup mieux comme ça, mais enfin bref. Et puis ce soir j'ai oublié de vous dire, mais ce soir on va à Berne, enfin Münzingen je crois, au Monster Gym. Il y a l'inscription des athlètes, donc on va partir vers 6h30, donc voilà, je vais vite m'entraîner maintenant. Ah oui, je voulais aussi faire du posing. Je vais aller m'entraîner. Ah, j'ai reçu des leggings aussi. Je les ai commandés et je les ai payés. D'ailleurs, tous les produits que je vous montre dans mes vidéos, à part NU3 avec qui j'ai un partenariat, je paye tous les trucs. Hein. Juste parce que je reçois des commentaires. Ouais, tu reçois tout? Absolument pas. Moi, je vous montre ce que je commande, les choses que j'aime et je vous dis d'où ils viennent parce que vous me posez la question. Mais je paye tout. Donc, juste qu'on mette ça au clair. Je veux juste vous les montrer parce que je sais que vous avez demandé d'où ils viennent. Voilà, donc c'est Alphalete. J'ai pris du S. Honnêtement, je sais pas s'ils sont encore en stock, parce que normalement, dès qu'il y a un launch, ils sont en rupture de stock en quelques heures, si ce n'est pas en quelques minutes. Je vais aussi faire un petit peu du posing, parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait à cause de mon dos, mais là, il faut vraiment que j'en fasse, quoi. Juste avant, je crois que la semaine avant ma compète, c'est là que j'ai fait le moins de posing, quoi, donc ça va pas trop. Ah, puis j'ai oublié de vous dire encore, j'ai eu des nouvelles de Stephen. Donc pas de changement en macro aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est toujours à 100 g de glucides comme hier. Par contre, mes protéines et mes lipides diminuent un petit peu. Donc au lieu de 150 de protéines, je suis à 140. Et au lieu de 90 de lipides, je suis à 85. Voilà.
Alors je viens de terminer mon entraînement, donc j'ai fait un circuit training, enfin, vous l'avez vu, je vous l'ai mis d'ailleurs. Et puis là, ben, on est en train d'aller à Berne, donc au Monster Gym pour faire l'enregistrement. Donc je suis avec Luca. Ah, on t'a pas vu dans ce vlog encore. Hein? On t'a pas vu dans ce vlog encore. Ah bon? Salut, salut. Ça marche. Allô? Quel numéro tu as? Ouh, c'est un beau chiffre. Ouais, voilà. Et puis ça, c'est quoi? T'as oublié la moitié des choses, mais sinon ça va. Alors, on est jeudi soir, enfin il est minuit et demi. Je voulais juste vous dire que je me suis douchée, donc je me suis lavé les cheveux. Donc je voulais laver les cheveux assez à l'avance parce que quand ils sont trop propres, mes boucles ne tiennent pas du tout et je compte me boucler les cheveux, donc voilà. Et je me suis aussi rasée, donc comme je vous ai dit, je me suis épilée mardi je crois. Et puis là on est jeudi soir et je viens de me raser donc toutes les jambes, le maillot, un peu le bas du dos pour que mon maillot colle mieux parce que je devrais coller mon maillot. Donc je suis pas très poilue, hein, mais c'est juste pour que vraiment ça adhère. J'ai aussi décidé de pas me raser les bras parce que j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, je vais essayer pour ce concours. Si vraiment je vois que ça va pas, ben, le deuxième concours, je raserai les bras. Mais je pense que j'en ai pas vraiment besoin, honnêtement. Donc voilà, on verra. Peut-être que je vais regretter, je sais pas. J'ai trouvé le meilleur chocolat du monde, je vous jure. Praline et feuilletine. Il est incroyable. Et c'est une plaque, c'est pas des carrés, donc il faut couper soi-même ses bouts. C'est horrible de devoir couper seulement ça. Alors on est vendredi matin. Je suis pas du tout en avance pour changer. J'ai un rendez-vous dans 5 minutes pour faire les ongles. Il est midi, je viens de revenir des ongles. Voilà le résultat. Donc honnêtement, je suis pas du tout habituée parce que normalement j'ai toujours mes vrais ongles. Là, c'est juste on a juste rallongé un peu, on en fait au gel. Enfin bref. J'ai fait les pieds aussi d'ailleurs en blanc, mais voilà, on s'en fiche. Là, je vais aller préparer tous mes repas pour demain. Et ensuite, je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui, Stephen m'a dit de faire un entraînement fessier et haut du corps assez léger. Donc voilà, je vais faire ça. Avec Stephen, aujourd'hui, on va aussi parler de la stratégie de demain. Donc je vais essayer de vous expliquer ça. Et je vais aussi vous montrer toutes les affaires que je prépare. J'ai une checklist, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, cette vidéo sera enfin finie parce qu'elle dure déjà 45 minutes. Alors je vais commencer à me préparer mes repas pour demain. Donc dans le protocole que m'avait envoyé Stephen, il m'avait dit de préparer 3 repas plus 2 repas en extra. Et en fait il m'a dit pour chaque repas environ quoi mettre et les macros qui correspondent. Parce que ben, moi je lui avais dit environ ce que je mangeais dans mes journées et puis en fonction de ça il m'a dit quoi mettre. Donc là par exemple le menu 1, le repas 1 pardon, il m'a dit la choucroute, poulet, avocat, légumes, huile et ketchup. Et ça doit correspondre à 9 g de glucides,
30 g de protéines, 25 g de lipides. Et puis, on n'ajoute pas de sel. Donc, dans aucun des plats que je vais préparer, je vais rajouter de sel. Par contre, je vais en prendre avec. Donc, demain, je vais en consommer. Voilà, j'ai pas encore parlé avec lui de la stratégie pour demain. Je vous dirai après. Je sais pas exactement comment ça se passe. Mais voilà, je vais pas rajouter de sel dans les plats que je vais préparer maintenant. Mais du coup, voilà, il m'a dit de faire le 1001 avec ça. Le 2, c'est du bœuf. Bon, il m'a dit des œufs, mais honnêtement, ça fait trop de protéines. Donc, je vais pas les mettre. Légumes, de l'huile. 1003, enfin, repas 3, pardon. Du poisson, avocat, légumes et huile. Et donc voilà, et puis les macros qui correspondent, c'est le plus important en fait, donc 8 glucides, 35 protéines, 20 fats, etc. Et donc pour voir exactement les quantités, eh bien je viens de me préparer tout ça dans LiveSum en fait. Donc là c'est pour demain, et puis juste pour voir, ben là par exemple j'ai fait un exemple. Si je mets 100 g de poulet, 120 g de haricots verts, 120 g de champignons, 100 g de choucroute, 10 ml d'huile d'olive et 70 g d'avocat, et bien j'arrive juste au macro qui m'a dit pour le repas 1. Donc ce repas là, je vais le faire deux fois avec exactement ces quantités ici, ce qui va me faire mon repas 1 plus un repas, un extra. Et puis ben, j'ai fait la même chose pour les autres pour savoir exactement combien cuire, combien mettre, combien peser. Donc là, le repas 2, par exemple, c'est du poisson, fenouil, 200 g, 50 g d'épinards, 60 g d'avocat et encore 5 ml d'huile d'olive. Et puis, ça correspond au macro qu'il m'a dit d'atteindre. Donc celui-là, je l'aurai qu'une fois parce que j'ai pas assez de poisson. Et puis encore du bœuf. Bœuf haché, ketchup, huile d'olive, fenouil, épinards, avocat aussi. Toujours un peu la même chose. Donc voilà, je vais préparer ces repas, il y en aura 5 au total. Je vous tiens au courant de ce qu'il me dit après parce que ben voilà, la stratégie elle va sûrement changer, donc je prépare quand même ça d'avance. Mais là j'ai pas le temps d'attendre que monsieur se réveille. Là il faut que je prépare mes trucs parce qu'après j'ai encore allé m'entraîner, j'ai encore préparé toutes mes affaires, etc. Donc voilà, là j'ai tout ce que je vais cuire, je vais tout peser en fonction de ce que j'ai planifié et puis je vous montre une fois que c'est fait, c'est prêt. Alors là, j'ai fini de tout préparer. Il me manque juste un peu d'avocat pour ce top là. Il y a Luca qui va m'en ramener, j'en avais pas assez. Je voulais juste vous montrer, j'ai aussi écrit sur chaque couvercle exactement ce qu'il y avait dedans et les macros, comme ça je sais exactement, enfin en fonction de ce que Stephen me dit, je sais quel repas manger quand. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est énormément de bouffe. Moi, je pense pas que je vais tout manger ça demain avant de passer sur scène. Donc on verra, franchement on verra ce qu'il me dit après. Je pense qu'il va se réveiller, ouais, il est 14h, je pense d'ici une heure on va pouvoir parler de demain. Alors j'ai terminé de préparer toutes mes affaires pour demain, donc là je vais juste vous montrer, j'ai une checklist. C'est une checklist que Stephen m'a envoyée, mais je l'ai complétée avec mes trucs. Donc je vais commencer par vous montrer la nourriture, donc forcément ce sera les 5 tubs que je vous ai montré avant. Il y a Stephen qui vient de me répondre, donc demain matin je peux manger aussi mon petit déjeuner habituel, donc ce sera un skyr du muesli low carb de chez Nutroi et des amandes. Et puis là donc je prends avec des cornichons, donc ça c'est pour le sodium. Je prends du sel avec, et je vous ai aussi dit avant que j'avais pas salé mes plats, mais il m'a dit que je pouvais saler normalement mes plats. Je vais juste rajouter du sel dans mes tubs directement, et puis je le prends aussi avec ma cuillère pour peser le sel. Je prends une fourchette forcément pour manger, mais ça c'est le genre de truc qu'on oublie puis on finit de manger avec les mains. Et sinon je prends aussi mon cookie aux pépites de chocolat que j'ai acheté pour après la compétition. Je prends une bouteille d'eau, oui c'est une bouteille d'eau en plastique, mais c'est pour voir en fait combien il me reste exactement, parce que avec chaque repas il faut que je boive une bouteille d'eau de 500 ml et 250 ml entre chaque repas. Donc il faut que je puisse voir exactement, enfin environ, où est 250 ml. Et les gourdes que j'ai réutilisables, elles sont toutes opaques, donc j'aurais pas pu voir. Donc voilà. Et mes repas, je vais les prendre dans un sac réfrigérant. Même si dehors il fait super froid, il fait super moche et qu'il risque pas d'avoir trop chaud puisqu'il fait 8 degrés je crois. Mais quand même, je vais quand même les mettre là-dedans. Donc voilà, ça me fera 5 repas que je prends avec, plus mon petit déj le matin, donc 6 repas au total. Donc là j'ai préparé vraiment toutes mes affaires. Je vais prendre une petite valise avec en fait de taille bagage à main. Donc je vous montre. Donc ici j'ai mes bijoux. J'ai mes talons forcément, mes bikinis, j'en mets qu'un évidemment, mais je prends les deux, c'est au cas où, on sait jamais, si jamais il se passe quelque chose avec un, ben j'ai l'autre avec. Là j'ai mon peignoir, ici je prends aussi un gros pull loose parce que
parce qu'il fait super froid, puis j'ai peur d'avoir froid en mettant ça. Et avec le tan, il faut quelque chose vraiment qui serre pas. Donc ça, c'est un grand t-shirt, c'était à Luca avant. Ici, c'est juste mes habits pour demain, pour aller là-bas. Ça, c'est pour après, pour aller au restaurant. Là, j'ai des chaussures pour la journée là-bas. Ici, j'ai des bandes de résistance pour le pump, juste avant de monter sur scène. Et puis ici, j'ai encore donc un tapis de yoga pour la tente dans les backstage. Et puis un petit coussin que je prends avec aussi. Et je vais voir peut-être pour prendre une couverture. Parce que bah, franchement, il fait 8 degrés, il fait super moche et il pleut quoi. Donc voilà. Et puis ici, j'ai encore tout ce qui est cosmétique. Donc pour mes cheveux, du shampoing sec, de la laque, mon fer à lisser. Je prends des lingettes pour bébé, ça c'est au cas où le tan tâche. Je prends un rasoir, ça c'est aussi au cas où. Je pense pas que j'en aurais besoin, mais c'est avec le tan, par rapport au tan. Ma trousse de maquillage, j'en aurais pas forcément besoin non plus, puisque j'ai le make-up qui sera fait. Mais c'est si jamais je dois faire des retouches ou quelque chose, qu'au moins j'ai quelque chose avec. Ma brosse, des pinces, ma pick-up, comme vous savez. Ça c'est juste une trousse pour mettre tous mes produits cosmétiques dedans. Et ici, j'ai encore tout ce qui est électronique, donc mon trépied, le trépied de ma caméra, une batterie de rechange et le chargeur pour ma batterie de rechange, une carte mémoire de rechange aussi pour ma caméra, chargeur d'iPhone, des écouteurs pour dans les backstage, ma licence IFBB, mon numéro, les entrées pour Luca et moi, pour le backstage, et puis ben, mon porte-monnaie, enfin voilà. Donc voilà tout ce que j'ai préparé, je vais tout mettre dans ma petite valise, et puis je pense que je suis prête, voilà. Alors il est 17h, là je suis en train d'aller à la salle. Je suis de nouveau dans la voiture, mais je crois que j'aime bien vous parler depuis ici en fait. Je voulais juste vous dire deux mots par rapport à demain. Donc j'ai parlé avec Stéphane avant, comme je vous ai dit. Donc demain, petit déjeuner habituel, donc mon skyr, muesli protéiné, Nutri, etc. Et ensuite bah, les 5 repas que j'ai préparés. Donc en fait c'est viande ou poisson, des légumes et puis de l'huile et de l'avocat. Donc en gros c'est beaucoup de protéines, beaucoup de lipides et très très peu de glucides. En fait si on comptabilise tous les repas plus mon petit déjeuner, ça fait environ 60 grammes de glucides, c'est tout. Et je suis assez étonnée, en fait je lui ai demandé si j'allais prendre des galettes de riz, du miel, etc. Et bah, en gros non, il m'a dit si t'as pas de pump, c'est un problème d'eau et de sodium, mais c'est absolument pas à cause des glucides, donc c'est du low carb demain aussi. Ça m'étonne, moi je pensais vraiment pas, mais enfin voilà, je fais totalement confiance à Stephen. Il m'a aussi dit que le miel c'est de la merde pour avoir un pump, parce que ça va pas dans les muscles, donc ça je savais pas non plus. Voilà, et sinon après le show demain, donc il m'a dit, j'ai demandé pour le cookie si je pouvais l'avoir, et en gros il m'a dit si tu vas pour un burger et des frites, ben mange que le burger et les frites. Donc je vais quand même manger la moitié du cookie et je vais manger que la moitié des frites. Comme ça, ça fera un peu un entre-deux. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai demandé s'il y avait autre chose que je devais savoir. Il m'a dit non, sois belle. Pour le timing des repas, donc je déjeune quand je me réveille. J'ai pas encore regardé à quelle heure on part d'ici. Faut que je regarde à quelle heure je dois être là-bas. Faut que faire un peu le calcul avec le trajet, prendre un peu de la marge, etc. Donc je sais pas exactement à quelle heure je dois me lever. Mais en gros, je déjeune en me levant et ensuite je mange toutes les 2 à 3 heures. Je regarde toutes les 2 heures. Si j'ai pas faim, je peux pousser jusqu'à 3 heures, mais pas rester plus de 3 heures sans manger. Donc vraiment, un repas toutes les 2 à 3 heures. On sait pas encore si je vais manger vraiment tous les repas que j'ai préparés. Il y en a des, c'est peut-être au cas où. Parce que ça dépend à quelle heure je passe sur scène. Mais sinon, bah, tous les 2-3 heures, faut que je mange un top. Donc voilà pourquoi j'en ai autant. Ça me paraît être énormément de bouffe, mais en fait peut-être ce sera pas tellement que ça. Donc là moi je vais m'entraîner, donc tout dernier entraînement de cette préparation. Donc là je fais les fesses, le haut du corps en léger, et puis voilà, ensuite c'est parti. Donc honnêtement je pense que je vais terminer cette vidéo ici, vu qu'elle dure une heure. J'espère que vous m'en voulez pas. On se voit dans le prochain vlog pour le concours. Donc on essaiera de vous filmer ça au maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo pour le concours.